guys, bienvenue, welcome to... Voici un public qui met l'ambiance. Guys, bienvenue sur Fresh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission... L'émission va boxer ton problème parce que l'émission c'est la fin de ton problème. On ne sait pas quel est ton problème, on ne sait pas quelle est la situation. Peut-être que c'est un problème scolaire, peut-être que c'est un problème financier, peut-être que c'est un problème avec le monde, avec quoi d'autre encore comme problème? Maladie, quoi d'autre? L'école. L'école, voilà, c'est vrai que scolaire c'est pas l'école. Peu importe, je rigole. Peu importe votre problème, aujourd'hui c'est la solution. Ok, on va refaire. Aujourd'hui c'est la fin. La fin de ton problème, c'est le titre de notre émission. Amen. Aujourd'hui on croit que au travers de cette émission vous allez recevoir, ou du moins votre foi va être boostée, de manière à ce qu'à partir de cette foi vous puissiez régler votre problème ce soir, ce matin, cet après-midi. On parle de foi, on parle de la parole de Dieu et on parle de la solution. Et on a aujourd'hui un merveilleux public. On a un merveilleux public, on a des merveilleux chroniqueur. Je le présente maintenant. Mon nom c'est Rémi de la Iglesia. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est Rémi de la Iglesia. Pourquoi mon père spirituel, l'apôtre, tenait une émission radio. Et, et dans cette émission radio-là, eh bien, son intro c'était bonjour à tous, c'est Patrick de la Iglesia. Et donc moi c'est Rémi de la Iglesia. Enchanté à tous. Rémi de la Iglesia, je serai l'animateur ce soir. Bon, ça fait quelques temps maintenant. Voilà. Et on a aujourd'hui donc, des merveilleux chroniqueurs et on a une petite nouvelle. Oh là 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 là. Oh, on va commencer avec quelqu'un qui nous a manqué, qui nous manque à chaque fois. Voilà, quand il y a une émission où t'es pas là, on ressent un vide dans le cœur. Voilà, un être vous manque et tout est dépeuplé. J'annonce Steven. Comment ça va, Steven? Ça va, hein, tranquille. Ça va, je vois sur l'autre caméra que tu as un dégradé. Tu peux me montrer sur l'autre côté? Ah oui, c'est très géométrique. D'accord. Tout est carré. Et on a à sa droite Manon Riche, Nirina, c'est quoi le nom de famille en malgache? Andrea Manga. Andrea, j'aime trop les mangas. On a Nirina. On a Nirina. Acclamation un peu légère pour Nirina. On va refaire. On a Nirina. On a en face de Steven à ma gauche celui qu'on appelle le Bishop, celui qu'on appelle le B-Style, celui qu'on appelle le B-Sap, celui qu'on appelle le B-Sapé, celui qu'on appelle le B-Scott. On a Willy B-LG et on a à sa gauche la nouvelle. Alors vas-y, présente-toi. Bah moi je m'appelle Erin. D'accord, mais parle un peu plus fort, mais oui. Moi je m'appelle Erin. Ok, alors attendez, je vais préciser quelque chose. Vous connaissez Toto de Paris si vous êtes habitué à voir les émissions. Toto de Paris et Erin vivent ensemble en colocation. Donc vous allez voir qu'il y a des petites ressemblances. Hein, donc on peut acclamer pour Erin. On peut m'appeler Candice. C'est ça. C'est donc ça. On t'appelle Erin ou Candice? Comment choisis? Candice. Ouais, c'est la. C'est pas la brique de lait. La brique de lait, Candice. Non, ça c'est Candium. Bon, donc bienvenue Erin. Voilà, on se fait. C'est une joie pour nous de te recevoir. Et voilà une nouvelle chroniqueuse. Donc il y a deux nouvelles. Augustia et Erin et peut-être d'autres. Nous verrons. On verra. On verra. Ce qu'ils sont dit. Est-ce qu'ils sont dignes? Est-ce qu'ils sont fresh? Mais elle est fresh et elle va vraiment vous édifier. Vous allez voir. Donc aujourd'hui, on parle de la fin de ton problème. Regardez, lui, il fait déjà une tête très très sérieuse. Lui, j'ai expliqué William. William vient, il se réveille le matin à chaque tournage. Il dit aujourd'hui, je vais leur montrer que je suis un bichon. Aujourd'hui, ils vont voir que j'ai un appel. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ok, William, aujourd'hui, tu vas parler. Aujourd'hui, on va parler. Ok, tu vas parler. Qui a des choses à dire? Qui a aujourd'hui des choses à dire? Moi, j'ai trop de choses à dire. T'as trop de choses à dire? Ah oui, non. Qui a? Steven, t'as pas de choses. Ouais, t'as des choses à dire. Erin. Chose à dire. On met les barres sur les T. Et les points sur les I. Aujourd'hui, la fin de ton problème. On va commencer en disant cela. Tous les êtres humains sont venus au monde. Yes. Wow, big news. Tous les êtres humains sont venus au monde
Et parce que tous les êtres humains sont venus au monde, les êtres humains sont dans ce monde-là. Yes. Dans un monde où il y a des tremblements de terre, dans un monde où il y a le Covid, hein, ça suffit. On en a marre. On en a marre. On veut faire les méga GR. Voilà. C'est parti. Voilà, c'est parti. Le Covid, il y a quoi d'autre? Il y a des requins qui peuvent nous manger. Il y a des lions qui peuvent nous manger également. Les guerres. Des guerres. C'est la foudre. La foudre. Des volcans. Quoi d'autre? Tsunami. Des tsunamis, des crises financières. Quoi d'autre? Des problèmes scolaires, des problèmes de divorce. Plein d'aléas. Il y a plein d'aléas de la vie, en fait. Parce qu'on vit dans cette vie-là, on est soumis, en fait. On va commencer comme ça. On est soumis à tous ces aléas-là. Vous savez que, je sais pas, excusez-moi, mais je ne connais pas un homme qui peut dire un tremblement de terre, arrête-toi, aujourd'hui on arrête de trembler. Okay. C'est pas possible, n'est-ce pas? Je ne connais aucun homme qui peut dire, oui, bah maintenant je suis guéri du Covid. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Hein, mais là, vous dites, qu'est-ce que tu dis? Logiquement, ça n'existe pas. Dieu a fait en sorte que les hommes, les hommes subissent. J'ai des problèmes scolaires et voilà, et j'ai des problèmes financiers. Voilà. Voilà. Faux! La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Par la foi, on va vous montrer que vous pouvez surpasser les volcans. Les tremblements de terre. Frères et sœurs, écoutez-moi. Un jour, il y a une tempête, mais il y a un homme qui a voulu défier les tempêtes. On appelle de faith, la foi. Il s'est planté devant la tempête. Il a dit, shut up, tais-toi, tempête. Tu t'arrêtes maintenant. Et la tempête s'est arrêtée. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Eli, qui courait plus vite que des chevaux. Il y a un homme qui a surpassé la mort, qui est ressuscité. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vie peut nous frapper d'aléas, mais par notre foi, on peut sortir ces aléas et on peut bloquer, anticiper ces aléas. C'est ça que nous croyons, Évangile TV. Évangile TV, nous prêchons l'évangile de la foi. L'évangile de la foi, celui qui change des situations, celui qui change des vies. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, ce soir, ce matin, cet après-midi, ton problème finit la fin de ton problème. Alors, aujourd'hui, il y a le bounce, hein, si tu veux, parce qu'il va toquer. Ça va quoi? Ça va finir. Ça, hein? Ça va finir. Vas-y. Ça va finir. Voilà, aujourd'hui, peu importe le problème, il peut être financier, scolaire. Yes. Mais c'est vrai, donc, on va commencer comme ça, que les hommes peuvent vivre des aléas. Yes. Les hommes peuvent vivre des aléas, on peut des fois être malade ou... Bon, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais, des fois, les hommes peuvent tomber malades, ou peuvent avoir des gens dans leur famille qui sont malades. Ou des fois, les hommes peuvent avoir des problèmes financiers, ou avoir des gens dans leur famille qui ont des problèmes financiers. Des problèmes naturels même, des inondations, un bon nombre de choses, des problèmes scolaires, des embrouilles à l'école, un bon nombre de problèmes, admettons, je ne sais pas, moi, on n'a pas les moyens de gérer nos problèmes, etc. Yes. Mais on va vous parler d'un moyen aujourd'hui qui s'appelle le moyen de la foi. Yes. Le moyen de la foi. Et par ce moyen, on peut régler toutes les dettes. Par ce moyen, on peut régler tous les problèmes scolaires, tous les problèmes familiaux, tous les problèmes de maladie. Yes. Donc c'est vrai que les hommes, guys, bon, je vais vous laisser parler jusqu'à ce moment. Les hommes vivent des aléas. Mais quelle est l'arme pour gérer les problèmes? Et j'aimerais que vous puissiez m'en parler. Parce que peut-être quelqu'un nous regarde et peut-être que quelqu'un a fait un vœu sur Parcoursup, mais le vœu n'a pas abouti. Peut-être que quelqu'un cherche un stage, mais il n'a pas trouvé son stage. Yes. Peut-être que quelqu'un cherche la guérison, mais il n'est pas guéri. Yes. Peut-être que cherche un regard. Oh, c'est compliqué. Cherche un. Oh, hé, hey, oh, hé. Hey. Oh, hey, oh, hey, oh. Hey, ça, c'est un problème. L'orthographe. Nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un cherche. La guérison mais ne la trouve pas. Peut-être que quelqu'un cherche les bonnes notes mais ne le trouve pas. Quelqu'un cherche la prospérité mais ne le trouve pas. C'est quoi l'arme que Dieu nous donne pour surpasser cela? Je les sens chaud. Je vais même introduire ça plus doucement. Les hommes ont été créés. Voilà, les hommes, Adam et Ève vont pécher. Adam et Ève, voilà, vont être virés. Ils vont errer sur la terre et Dieu va leur dire ta 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 ta. Vous mangerez la sueur de votre front, etc. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus vient. Et lorsque Jésus vient, Jésus nous expose un autre moyen. Jésus nous montre un moyen de régner sur la terre. Jésus nous expose un moyen de régner sur les problèmes. Ce moyen, c'est lequel? C'est le moyen de la foi. Je vous laisse commencer. On libère les chevaux. Oh! 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 Hey, commence-toi! Commence-toi! Oh! 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 Bah, déjà, j'aimerais dire que, bah,
Bah, définir la foi en fait. Ok, donc déjà l'arme que Dieu nous donne pour régner sur la terre, c'est la foi. C'est la foi. Ok, yes. Déjà la volonté de Dieu, c'est... Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit malade? Non. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit pauvre? Non. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on rate à l'école? Non. Qu'on rate professionnellement? Non. Qu'on rate dans nos familles? Non. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est qu'on excelle dans tous les domaines. Ouais. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Nanana, comme prospère à l'état de ton âme. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est le top, c'est le meilleur. Guys, beaucoup de personnes disent non, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Nous ici, on croit en la prospérité. Amen. Mais on l'assume clairement. Beaucoup disent oh, ça, c'est mondain de croire à cela. Pas du tout. Yes. C'est croire en la parole c'est de ça. Dieu. C'est croire que Dieu m'aime. C'est quel père qui t'aime et qui veut que tu sois à la rue? C'est quel père qui t'aime et qui veut que tu sois malade? Vraiment. Dieu est un bon père. Okay. Et parce que c'est un bon père, il veut notre prospérité, il veut notre santé, il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais il a donné alors Erin une arme qui va nous permettre d'accéder à ce meilleur. C'est laquelle, cette arme-là? La foi. Amen. La foi, c'est vraiment une arme. Et dans Hébreux 11, verset 1, la parole dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et une ferme assurance, c'est vraiment, c'est solide en fait. C'est solide, c'est ça la foi. C'est, j'aime bien le mot ferme assurance, enfin, le groupe nominal. Yes. La ferme assurance. Parce que déjà, l'assurance, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, c'est-à-dire, c'est sûr, mais un peu plus quand même, tu vois. Mais oui. Il y a d'autres versions qui disent c'est même une obligation. Une obligation. Il a préparé son émission. Vas-y. Il y a d'autres versions. Il y a d'autres versions qui disent la foi que c'est une obligation, une garantie même. Une garantie. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, c'est sûr. Et cette foi-là, avec cette foi-là, on peut accomplir de grandes choses. Et notamment là, on va cibler quelque chose. On peut mettre fin à nos problèmes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport? Quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la foi et les problèmes? La foi et les problèmes. Déjà, moi, j'aimerais bien définir ce qu'est un problème. Ok. Donc, un problème, c'est en fait une difficulté qui empêche un résultat. Une difficulté qui empêche un résultat. Voilà. Mais la Bible va nous dire que avec la foi, on a des résultats. Avec la parole de Dieu, on a des résultats. Donc, si un problème, c'est quelque chose qui empêche les résultats, avec la foi, on a des résultats. Alors, avec la foi, on résout le problème qui bloque le résultat. Super. Ok. Et donc, du coup, la Bible va dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si j'ai la parole. Ok, bon, calme-toi. Non. My God. Mais lui, non, mais c'était. C'est moi, il a dit je vais leur montrer. Je leur montrerai. Moi, je suis moi. Mais non. Moi, j'ai un appel. GR. Steven, je suis responsable de GR. Je suis Willy Bishop. Non, mais attends, il y a le doucement. Bientôt aussi, frère. Et sur une retraite, il y a un message. C'est un jeu des prières. Attends. En tout cas, c'est bien, t'es préparé. Mais William, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à la foi et les problèmes? Est-ce que vous avez un exemple un jour d'un problème qui a été réglé par la foi dans la parole de Dieu? Oui. Dans la Bible, dans Matthieu 14, quand il y avait ce problème-là, quand la foule suivait Jésus. La foule suivait Jésus et Jésus, quand on avait annoncé que Jean-Baptiste était coupé, bref. Et en fait, le problème, c'était qu'ils n'avaient pas mangé. Ok, en fait, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Exactement. Pour nourrir une foule, il y avait peut-être 10 000 personnes. Donc, vous imaginez que là, il y avait un problème financier. Là, il y avait un problème matériel parce qu'en fait, je sais pas si le problème. Enfin, il y avait un problème financier, un problème matériel plutôt, on va dire ça comme ça. Le problème là, c'est que on a 5 pains et 2 poissons, mais il y a 10 000 personnes. Ah, mais... Sachant qu'il y a des gens qui mangent comme Steven peut-être dans la foule. Donc, je rigole. Il y a des gens qui mangent peut-être beaucoup, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce problème a été résolu? Par là? La foi. Vas-y, explique-nous. Il a juste rendu grâce, il savait que le Père était avec lui. Ouais. Il a juste cru en ce que le Père lui avait dit. Il a cru, il a rendu grâce, Père, je te rends grâce, etc. Les pains et les poissons sont multipliés. Ici, on voit donc qu'il y a. La foi là, il y a quelque chose. En plus, ils ne sont pas simplement mangés, ils ont été rassasiés. Ils ont été rassasiés. Vous savez, rassasié, c'est quoi? Rassasié, c'est quand t'as tellement mangé que tu vas te raser. C'est-à-dire que rassasié, c'est quand en fait ton ventre est. Bah, ton ventre est. Tu dis, oh! Aujourd'hui, j'ai mangé. Tu dis, demain, je jeûne. Ils ont été rassasiés, c'est-à-dire qu'il y avait bien plus que ce dont ils avaient besoin. Voilà ce que produit la foi. C'est bien plus que ce dont on a besoin. C'est ça la foi. Et j'aimerais donner un autre exemple de la foi et des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir voir Jésus, qui vont être malades, qui vont avoir des choses comme ça, qui vont rencontrer des problèmes. Et on va voir que Jésus à chaque fois va les guérir, peut-être par une parole, par quelque chose, par un mot, quelque chose comme ça. Mais derrière ces mots-là, derrière cette parole-là, il y avait une substance.
résistance qu'il y avait de force qu'on appelle la foi. Et on aimerait vous dire, la solution à tes problèmes, c'est pas les pleurs. Je ne réponds pas aux pleurs, je réponds à la foi. Tu peux être là comme ça, pleurer. Oh Seigneur, Parcoursup, oh Seigneur, je suis malade, oh Seigneur. Dieu ne répond pas aux pleurs, Dieu répond à la foi. Et si tu veux que ton problème soit résolu et qu'aujourd'hui ce soit ton problème puisse être résolu, tu dois décider de croire et tu dois poser des actes en fonction de ta croyance, en fonction de ta foi. Mais on va parler de ça plus tard. Mais dans un premier temps, plutôt dans un second temps, comme vous l'avez dit, l'arme que Dieu nous donne, c'est la foi. C'est ça, Nirina. C'est ça. C'est la foi. Et moi, j'aime bien quand on parle d'épreuve, on parle de combat. Ouais. Dans le sens où quand tu combats quelque chose, t'as besoin d'une arme en fait. Tu peux pas combattre et t'as rien. Et t'as besoin d'une arme. Et dans la Bible, on dit que la foi, c'est le bouclier en fait. On dit le bouclier de la foi. Ça veut dire que c'est une arme. Et on dit que voilà, c'est pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal. La foi, c'est le bouclier pour un combat. Ok. Pour un combat, on a besoin d'armes. Admettons, il y a un combat dans mes finances. Admettons, j'ai un défi financier, je dois avoir 400 euros avant, admettons, demain. C'est un combat. C'est un combat de la foi dans le fait de. Je dois être sûr que ça va venir, mais en même temps, il y a peut-être des pensées qui disent que ça ne viendra pas. C'est un combat en fait. Et comme tu dis, pour le combat, il faut des armes. Il y a le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Mais il y a une autre arme qui est offensive, c'est laquelle? L'épée de la parole. C'est l'épée de la parole. C'est l'épée de la parole. Si la foi vient de ce qu'on entend, rejoins ce que tu dis, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu génère la foi. Mais si l'épée, c'est l'épée de la parole, c'est qu'alors c'est l'épée de la foi, n'est-ce pas? Et cette épée-là, elle est où? Elle est dans notre bouche. Voilà pourquoi on va vous faire comprendre aujourd'hui au travers de cette émission que la fin de ton problème est dans ta bouche. Avant de la voix, elle est dans ta bouche. Elle est sur ta langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir. La vie et la mort. Tu peux décider d'avoir la vie que tu veux, tu peux donner la vie à ton problème le problème puisse mourir, c'est dans ta bouche, dans ta langue. Donc, on va continuer. Ah oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, par rapport à ce qu'il a dit, pour le problème des 5 pains et 2 poissons, il y a eu ce problème-là, ce problème-là s'est présenté devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait en tout premier? Il a rendu grâce, en fait. Il a rendu grâce avec sa bouche, Et avec sa bouche, et cette démonstration de foi, c'est ça. Merci Seigneur, parce que je sais déjà. C'est ça. Il savait déjà. Il n'a même pas besoin de douter, il s'est dit. Non, Seigneur, je t'en prie. Il savait déjà. En fait, la solution à nos problèmes, c'est la foi. Beaucoup de personnes voient leur vie ne pas forcément évoluer, voient leur situation ne pas évoluer. Ils disent, oh là là, mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? Dieu est là. Dieu est vraiment là. Mais Dieu nous rend responsables aujourd'hui. Dieu nous rend responsables. Et Dieu nous donne une arme, une chose qu'il utilise. Parce que Dieu utilise la foi. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus utilisait la foi. Jésus n'a pas triché, n'a pas... Bon, moi, je suis Jésus, donc ça marche un peu facile. Non. Jésus a utilisé la foi et l'arme qu'il nous laisse, c'est celle de la foi. Et avec cette arme-là, on peut bouger des montagnes. Jésus va dire quelque chose. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, qu'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Guys, si vous croyez dans votre cœur, si vous avez une foi forte dans votre cœur, que cette montagne financière, ce problème scolaire peut partir, et qu'est-ce qui va se passer? Si vous le dites, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, viens, 1, 2, vroom! Voilà, cette montagne va partir. Vas-y, cette montagne va partir. Cette montagne, elle va partir. Et puis, il faut savoir en fait que le juste vivra par sa foi en Et, on est appelé à vivre par notre foi. C'est ça. Et un jour, l'apôtre a dit dans l'une de ses prédications, que en fait, si tu n'aimes pas ta vie, change ta foi. Exactement. C'est clair en fait. Si le juste. C'est faux. Si le juste Steven n'aime pas sa foi, n'aime pas sa vie. Mais que ta vie est amenée par ta foi. Tu veux une autre vie. Essaye pas de changer ta vie, essaie de changer ta foi. Essaye de changer ta foi. C'est tout. Essaye de changer ta foi. Et il y a tellement de situations, Est-ce que quelqu'un ici d'entre vous a un exemple, un jour où il a utilisé sa foi et une situation a été changée? Moi j'en ai. Vas-y. Bah, moi, faut savoir qu'il y a un temps, j'avais pas d'argent pour payer mon loyer en fait. J'avais vraiment pas d'argent et j'ai appelé. J'ai appelé l'argent, j'ai vraiment déclaré que Tu as déclaré. J'ai vraiment déclaré que ma bouche en fait, vraiment. Le pouvoir de la langue et j'ai attendu, j'ai vraiment pas senti parce que les mois sont passés, ça veut dire que je devais un mois de loyer, maintenant deuxième mois et maintenant le Saint-Esprit me dit bon va sur Pôle emploi en fait, va connecter sur Pôle emploi et d'un coup je vois que j'ai reçu en fait le montant exact en fait de mes deux loyers. Le montant waouh le montant fresh.
Cette émission t'a béni, tu veux soutenir Évangile TV, tu veux semer. Le lien PayPal et les coordonnées bancaires s'affichent juste maintenant. Et si tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment semer, tu peux nous contacter au 06 36 91 21 74. Que Dieu te bénisse. Fresh! C'est aussi un témoignage, bah, c'est un petit peu près la même chose en fait. Ouais. C'est que moi, on était avec ma famille, tout ça, dans la maison. Et mon père, il avait plus d'argent pour payer à la fin du mois. Et on était au début du mois. Donc c'était chaud. Et il devait plus recevoir d'argent. Il était, on était vraiment mal, comme on dit. Et ça fait que la Bible va dire une chose, elle va dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et du coup, moi, je me suis appuyé sur cette parole-là pour dire que, en fait, même s'il y avait ce problème. Désolé de te couper, je sais que tu veux dire quelque chose, mais là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, on savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Votre foi doit également, frère et soeur, peu importe la situation que vous rencontrez, vous devez poser votre foi déjà premièrement sur cette base-là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère et soeur, même le problème de William, regardez, il avait un problème au final. Attendez, vous deux, vous aviez un problème financier, mais au final, ça a boosté votre foi, n'est-ce pas? Donc tout, au final, va vous servir. C'est ça. Vous voyez, si vous n'aurez pas eu ce problème, peut-être que votre foi n'aura pas été boosté ou pas. Tout va vous servir. Et vous devez vous baser sur ce verset-là. Et vous dire, peu importe ce que je rencontre, tout va bien se passer. Amen. Dieu est avec moi. C'est ça, quand il parle de tout, il dit les bonnes comme les mauvaises, en fait. C'est-à-dire que même si tu vois qu'à premier lieu, c'est un problème qui va te servir à booster ta foi. Bah, regardez Jésus. Jésus va mourir à première vue. Oh là là, le sauveur est mort. Non. Il est mort pour plus sauver. Amen. 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 Dieu. Vas-y. Oh là là. Enfin. Là, on va parler. Vas-y. En fait, moi j'ai un témoignage rapport à mon téléphone. J'avais cassé mon téléphone, enfin il était tombé. Et je me suis basé sur la foi que Dieu était un bon berger. La Bible dit que Jésus était un bon berger. Ah, c'est l'histoire de l'iPhone 8. Ouais. Ah oui, bah vas-y, ça c'est la foi. J'avais l'argent en fait pour acheter un téléphone, un iPhone 7. Ouais, acheter un iPhone. Il y a rien, mais quelque chose, racontez-moi, j'ai l'impression. Non, parce que ça. Ouais, quoi? Non, c'est bon. Ok, il avait cassé son téléphone. Il a absolument besoin d'un téléphone. C'est un responsable d'un réseau de disciples qui doit entretenir tout ça. Et il avait l'argent pour acheter un iPhone 7. Amen. Parce qu'il avait un iPhone 6 de base qu'il avait cassé. Donc tu voulais acheter un iPhone 7. Je voulais acheter un iPhone 7. Et il avait l'argent pour acheter l'iPhone. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, c'est en gros, j'allais aller acheter le téléphone. Ouais. Et sur la route, le Saint-Esprit m'a dit fais une offrande de cet de argent-là. L'argent. Et tu vas voir plus. Ouais. Et là, dans ma tête, je me dis, Saint-Esprit, oh là là, c'est chaud, hein. Là j'ai mis le téléphone, là, j'en ai besoin. Ouais. Et j'ai décidé réellement de faire confiance au Saint-Esprit. Amen. J'ai fait cette offrande-là. Et je devais acheter un iPhone 7 Plus et j'ai eu un iPhone 8 Plus. Plus d'AirPods. Plus d'AirPods. On va bien raconter l'histoire. Plus d'AirPods. J'ai fait l'offrande à une personne. Ouais. Oh. Amen. Bon, ok, il m'a fait une offrande du téléphone. Oui, voilà. Et au final, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un nouveau téléphone et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je donne ce téléphone, c'est un iPhone 8 Plus et des AirPods avec. Ouais. Et donc, je donnais ça. Donc, vous imaginez, il était parti pour acheter un iPhone 7, il a semé un acte qui accompagne la foi, n'est-ce pas? Et au final, il a reçu un iPhone 8 Plus avec des AirPods. Oh. Et ce qui passe toujours avec Steven. Je vais comment il aime mes AirPods, il a toujours mes AirPods dans les oreilles. En gros, là, ce qu'on veut dire, c'est que la foi, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas oh, j'ai besoin d'un téléphone. Non, la foi, ça s'accompagne d'actes. Ça s'accompagne d'actes. Amen. Ça s'accompagne d'actes. Et ça peut être une offrande, une semence, mais ça peut être également le fait de parler, en fait. Le fait de déclarer. Qui d'autre a un témoignage comme ça? Vas-y, Nerina. Moi, c'était un peu récent, j'ai appris que quelqu'un de ma famille avait le Covid. Oh, donc, okay. Voilà, forcément, c'était un peu la panique dans la famille, tout ça. Et je l'ai su, je sais pas pourquoi, vers la fin, dans les derniers. Ça fait longtemps. On m'a dit oui, ça fait longtemps. J'ai dit pourquoi personne m'a dit. Et on me dit, et en fait, j'ai déclaré, j'ai pas pris longtemps. Je sentais que c'était fait en fait. Et j'ai vraiment cette foi-là, cette conviction. Et je suis sortie, j'ai dit à ma mère, c'est bon. Elle me dit, c'est bon quoi? Et je dis, bah c'est bon, j'ai prié tout ça. Elle m'a dit, ok. Et quelque chose comme 4-5 jours après, j'ai su qu'il était guéri. Amen. Tu sais, ça m'est arrivé exactement le même truc. Exactement. J'ai dit, mais pourquoi on m'a pas prévenu? Et j'ai fait exactement, et quelques jours après. Amen. Et toi aussi? Moi aussi. Oui, toi, il y a même un test. En fait, mon père avait le Covid. Ouais. Et il m'avait envoyé le papier. Ouais. Il m'avait envoyé le papier. Et là, moi, j'ai commencé à intercéder.
Et ça faisait quoi, 2 jours après, il me renvoie le même papier, mais en gros positif, en gros. Wow. Plus, en gros. Wow. Il est, du coup, négatif. Négatif, ouais. Lui, il était waouh, Yassine. Ouais, c'est la foi. Hein, frère, ça n'est pas la foi. C'est pas la foi. Non, qu'il a donc, vous voyez, exactement. Il y a tellement de témoignages qu'on peut donner avec la foi. Yes. Il y a tellement de témoignages. J'aimerais même qu'on prenne un témoignage un peu plus financier ou scolaire. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage financier ou scolaire? Parce que la plupart des personnes qui nous regardent, je crois que le témoignage, c'est plutôt ça. Moi, j'en ai un. Moi aussi. Ok, vous savez, non, sur quoi, toi? Scolaire. Ok, moi j'en ai un sur la maladie, enfin sur la maladie, sur la guérison plutôt, sur la guérison. Je me souviens, il y a de cela, ça remonte dans le temps. Je me souviens un jour, j'étais comme ça, et j'étais posé sur mon lit, je vais faire ça très très bref. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir de la fièvre. Je tombe vraiment rarement malade, hein, mais vraiment, aujourd'hui plus, alléluia. Même à l'époque, même lorsque je n'étais pas en crise, je tombais vraiment rarement malade. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je suis sur mon lit, et là d'un coup, je commence à avoir de la fièvre. Je me dis, c'est quoi ça? Je suis tellement pas habitué à ça que je me dis, c'est bizarre. Et je sens que ça s'intensifie. De manière à ce que je puisse avoir des vertiges, des sueurs froides, tout ça, je puisse transpirer, tout ça. Et j'ai même envie de vomir. C'était terrible. Et ça s'est passé en 30 minutes, ça s'est accumulé. J'ai dit, my God, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'étais clairement malade. Et il était peut-être 22h. Moi, j'ai l'habitude de me coucher relativement tard. Donc, 22h, pour moi, je me suis dit, bah, c'est 18h, c'est là que commence la nuit. Et au final, je suis comme ça dans mon lit, je me dis bah je vais dormir. Quelque chose au moment du temps, tu te couches à 22h. Vous même si vous êtes jeune, vous savez que nous 22h là c'est là qu'on mange. C'est le début des festivités, c'est là qu'on commence. C'est le commencement de la nuit, le soleil tombe. Et je suis comme ça dans mon lit, je me dis bon bah je vais dormir. Et dans mon cœur je me dis non mais il faut que tu confesses la parole, tout ça, il faut. Et je me dis en fait j'ai tellement mal que je me dis je vais le faire demain. Je vais pour m'endormir, j'entends l'esprit de Dieu me dire t'es pas malade, c'est un mensonge. J'entends l'esprit de Dieu me dire, j'étais comme ça, j'entends l'esprit de Dieu me dire t'es pas malade, c'est un mensonge. Dès qu'il me dit ça, je me dis purée, mais j'avoue, il a raison. Et là je commence alors à confesser au nom de Jésus. Quand je dis ça, alléluia, je ne sentais pas les sueurs froides, la chaleur de la maladie, je sentais la chaleur de l'onction sur moi. Et c'est comme si en quelques minutes la maladie a commencé à quitter mon corps. Et instantanément, bam, j'ai bondi de mon lit. J'espère que j'ai pas pété le micro. J'ai bondi de mon lit, vous voyez. Et je suis allé faire une multitude de choses. Et après j'étais même à la salle de sport, souviens, je t'avais appelé tout ça. Alors j'étais KO, j'étais vraiment KO. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Je n'ai pas pleuré invoquant Dieu. Et je me souviens que ça m'était arrivé aussi la première année de ma conversion. Mais cette fois-là, j'ai dit Seigneur, guéris-moi. Ne s'était rien passé. Mais là, j'ai utilisé ma foi et j'étais guéri. La solution, elle est dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre bouche. Dis-moi. Moi aussi, c'est très lié à ça. Ouais. C'est un jour en bus, tu nous avais raconté cette histoire-là quand on était ensemble. Ouais. Et le truc, c'est que moi aussi, ça m'est arrivé en fait. Et ça m'est arrivé 2 fois. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir quand il n'y a pas la foi et quand il y a la foi maintenant. Et du coup, ça fait que première fois, j'étais là et j'étais tombé malade, tout ça. Ouais. Et tu m'avais raconté déjà cette histoire, donc je me dis, oh bah moi aussi, je vais prier au nom de Jésus, nanana, je suis plus malade. Mais j'étais resté malade et j'avais été guéri par les médicaments, les trucs simples. Okay. Mais après, du coup, j'ai fait, mais en fait, pourquoi il y a eu un bug? Pourquoi là, à ce moment-là, j'ai pas été guéri alors que je crois pourtant? Et après, en fait, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, en fait, tu crois pas assez. Tu te bases pas assez sur la parole de Dieu. Et du coup ça fait que j'ai travaillé ma foi pour la santé divine. Et à un moment je suis retombé malade. Mais quand je suis retombé malade là j'ai véritablement expérimenté la foi. Et donc à ce moment là je déclare au nom de Jésus Christ que ceci cela par rapport à la parole. Et après ce qui s'est passé c'est que j'ai dit je vais dormir, quand je me réveille je suis plus malade. Et moi ça fait que je tombe vraiment beaucoup malade de base. Et ben là j'étais plus malade, c'est à dire je suis parti dormir. Je me suis réveillé, j'ai fait oh ben c'est parti. Amen. En fait il faut comprendre cela, c'est que en fait les médicaments, il n'y a pas de problème avec les médicaments d'ailleurs, c'est même conseillé si vous sentez que non là voilà ça je sens que voilà c'est un peu chaud, non prenons les médicaments hein, c'est tu dis faut être humble. Voilà, faut être honnête avec sa foi. Si t'as pas la forcément la foi pour prendre les médicaments, ou même admettons, je sais pas voilà des fois tu me prends, il y a vraiment aucun problème avec ça et voilà, ok. Mais maintenant
Ce qu'on dit, c'est que par la foi, on peut être guéri. Et au-delà de ça, par la foi même, on fera peut-être une émission spéciale sur ça. On peut marcher dans la santé divine. Amen. Guys, la santé divine et la guérison, c'est différent. On peut être guéri par la foi, c'est que là, voilà, il a mal au doigt, il prie, je suis guéri au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Mais maintenant, une chose supérieure, c'est la santé divine. C'est le fait de je crois que je ne tomberai pas malade alors je Amen. Et on aimerait vous dire peut-être que vous nous regardez, vous avez le Covid, peut-être vous avez la gastro, peut-être vous avez quoi que ce soit. On peut prier pour vous, c'est vrai. Mais je crois que ce que Dieu veut vous apprendre, c'est par votre foi à vous guérir. Et à terme, ce qu'il veut vous apprendre, c'est par votre foi, marcher dans la santé. C'est ça, perdurer dans la guérison. Perdurer dans la guérison. Il y a un homme dans la parole, l'apôtre Paul, où un serpent l'avait mordu. Ouais. Oh non, lui c'est terrible. Un serpent l'avait mordu, il l'a jeté dans le feu. Il a lancé sa tête à toi. C'est mort, 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 le rêve, toi. Non, mais mord pas avec ta bouche. Il a commencé à ouvrir ses dents comme ça. Il attrape mon bras, enfin. Voilà, il est comme ça, l'apôtre Paul, regarde, fait. Il jette comme ça, vous voyez même pas, il dit quelque chose. Vous voyez, ça c'est un autre niveau. Mais donc, tous vos problèmes peuvent être réglés par la foi. Tous vos problèmes. Vous savez, j'avais un défi financier il y a cela quelques mois et je devais réunir 2500 euros en une journée. Et il était déjà 16h. Il était déjà 16h, je devais réunir 2500 euros en une journée. Et je me souviens que j'étais allé voir mon père spirituel, l'apôtre. Et voilà, parce que j'avais quelque chose à... Yes. J'avais une semence, mmh. Ok, et il me manquait 2500 euros. Et j'avais vraiment dit non, c'est aujourd'hui en fait. Yes. Mmh. Vous savez, des fois, il faut vraiment essayer d'être insolent et dire non, c'est aujourd'hui que je fais ça. C'est pas demain, c'est pas samedi, c'est là. C'est aujourd'hui. C'est là, dès que j'ai eu l'idée, je fais. La foi aussi, c'est présent. La foi, c'est présent. La foi, c'est tout à coup. La foi, c'est now. La foi, c'est pas un jour peut-être que... Non, la foi, c'est maintenant. Maintenant. Et je t'allais voir mon père spirituel. C'est important des fois aussi, quand vous avez un problème, vous pouvez aller allier votre foi à une autorité, à un leader, à quelqu'un qui est une foi plus grande, plus forte, ou même un frère dans la foi, vous pouvez prier avec lui. Admettons, tu es malade, tu nous regardes, tu peux appeler un frère, ou même tu nous envoies un message sur l'Instagram de Fresh qui s'affiche maintenant. Voilà, j'ai rencontré la situation dans ma famille, scolaire. Est-ce qu'on peut, quelqu'un peut allier sa foi avec la mienne? On va le faire. Et j'étais alors allé voir l'apôtre, et l'apôtre avait prié pour moi, et vraiment, elle avait déclaré que je sors de la prière. Je reçois 1500 euros. Okay. Wow. Je reçois 1500 euros. Mmh. Et c'était même, je crois, 3500 euros dont j'avais besoin. Je crois que c'était ça. Mmh. Et donc, il me manquait maintenant 2000 euros. Mmh. Et le soir, comme ça, peut-être tu te souviens de temps ensemble. Le soir, il était quelque chose comme 22h. Et le Seigneur m'avait dit au travers de l'apôtre, la journée ne finira pas. Amen. Vous savez, trouver 3500 euros de 16h à minuit, là, c'est chaud. C'est chaud. Sans demander à personne. Hein. Mmh. Sans, tu peux m'aider. Rien du tout. Mmh. Et là, à 22h, j'ai reçu les 2000 euros manquants. Et ce challenge de 3500 euros a été réglé. Mais comment est-ce qu'on a fait? On n'a pas pleuré, on n'a pas dit « Oh Dieu, s'il te plaît, tu vois quel point je t'aime. S'il te plaît, s'il te plaît Dieu !» On n'a pas dit ça. On a mis notre foi en action et c'est venu. La clé, elle est dans votre bouche. La clé qui ouvrira toutes les portes de votre destinée, elle est dans votre bouche. C'est ça, Eric, non? Oui, c'est ça. Mais non, mais franchement, la foi, en fait, c'est vraiment une arme, en fait. C'est vraiment une arme, mais c'est aussi une loi spirituelle, en fait. Et Dieu aussi, bah, en fait, bah, comme tu as dit, bah, Dieu marche pas par la pitié, en fait. Dieu marche pas, Dieu marche pas par la pitié. Dieu marche pas par les pleurs. Dieu marche vraiment bah, par ses lois, par ses principes. C'est ça, c'est ça. Surtout que la loi de la foi est une loi qui domine les autres lois. C'est la loi. C'est la loi. Le monde est régi, vous savez, par plein de lois. Il y a la loi, par exemple, de la pesanteur. Voilà, la loi de la gravité aussi. Voilà, il y a la loi des mathématiques. Steven plus Nirina égale 2. On lui dit qu'il ne fera qu'une seule chair. Donc... Mais bon, mais dans votre cas, vous êtes, ça fait deux. Amen. Non, dis amen, Simon. Amen. Amen. Non, peut-être que ça. Non, c'est bon. Ça va, d'accord. Il y a la loi, par exemple, des goûts vestimentaires, une loi qu'on pratique tous, sauf Nirina. Il y a la loi. Je rigole, ça fait. Je rigole, non. Très stylé ou pas? Ça fait transfert, ça fait Nirina. Son famille, c'est riche. Hein. Manon Riche, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Prospérité. Nirina Manon Riche. Yes. Voilà. Nirina Manon Riche, quoi le nom de famille? Andrea Manga. Nirina Manon Riche, j'aime trop les. Andrea Manga. Ouais. Nirina Manon Riche, Andrea Manga. Ouais. Vas-y, dis-le de. Vas-y. Ah, écoutez bien, qu'on mette la caméra sur lui si vous voulez passer. Nirina Manon Riche, Andrea Manga. Non, vite. Nirina Manon Riche, Andrea Manga. Ramamanga. Ok, d'accord.
Bon, revenons à nos moutons. Comme tu disais, c'est que l'arme que Dieu nous donne, c'est la foi. Et cette arme-là nous permet d'avoir une vie supérieure. Il est possible d'avoir une vie sans problème financier. C'est ça. Il est possible d'avoir une vie sans problème scolaire. Il est possible d'avoir une vie sans problème, guys. Une question posée, quel était le problème que Jésus a rencontré? C'est plutôt les problèmes qu'a rencontré Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a des problèmes, c'est les problèmes qu'il y avait en Jésus. Ah, je vais redire. Ça, c'est une autre dimension. C'est pas Jésus qui avait un problème, c'est les problèmes qu'il y avait en Jésus. Le problème des problèmes, c'était Jésus. Alors que le problème de Jésus, le problème des problèmes s'appelait Jésus. Et on déclare au travers de cette émission que tes problèmes ont un problème, c'est toi. Tes problèmes ont un problème, c'est qu'ils sont problèmes, mais ils ne se manifestent pas comme des problèmes parce que tu n'as pas de problème. À cause de ta grande et forte foi. Donc, la foi nous amène à une vie supérieure, William. À une vie supérieure. C'est vrai que la foi nous amène à une vie supérieure. Pourquoi? Parce que la Bible va dire une chose, c'est que quand on met sur... on dit à une montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, en fait, à cette montagne... La Bible attends, va dire attends, cette excuse-moi, montagne. Excuse-moi, frère. Mais il dit, Jésus va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, autour de là, jette-toi dans la mer. Mais attends, bon, il n'y a que l'esquiver la montagne. Ouais, la ingrat. Est-ce que vous voyez à quel point Dieu veut nous amener une vie, à une vie de bénédiction, voilà. De paix. Attendez, mais la montagne, je veux dire, tu peux l'esquiver, non? Attends, qui a déjà vu une montagne et dit, oh bon bah, c'est ça, et on se rend pas compte. Pas, hein. C'est ça. Et on se rend pas compte de la dimension dans laquelle il est. Il parle quand même d'une montagne. Une montagne. C'est quelque chose de grand. My God. Vous savez, un jour l'apôtre raconte quelque chose. Il raconte qu'il dormait et alors qu'il dormait, il a vu un ange dans un rêve. Je crois une vision que le Seigneur lui a montré. Et le Seigneur lui a dit, une seule de ces créatures peut prendre le bâtiment dans lequel tu es. Et le jeter dans la mer. Est-ce que vous imaginez, guys, on marche avec des anges, on marche par la foi, cette foi-là peut faire des choses incroyables. Cette foi-là peut faire des choses incroyables. Et véritablement, c'est ça. Par exemple, Jésus qui marche sur l'eau. Jésus qui marche sur l'eau, ça, c'est une vie supérieure. Mais pourquoi il n'est pas monté sur la barque? Pourquoi? Mais attendez, mais ça coûte quoi de monter sur une barque? Pourquoi? Pour montrer je suis Dieu, je règne par ma foi. C'est ça, c'est une loi qui est vraiment, elle surpasse tout. Elle surpasse tout. Et j'aimerais même dire par rapport au fait de marcher sur l'eau, William, elle est accessible à tout le monde. Parce que l'apôtre Pierre, qui n'était pas apôtre Pierre, qui était Simon Pierre, a marché sur l'eau. Matthieu 14, n'est-ce pas? Matthieu 14, il va marcher sur l'eau. Pourtant, il n'était pas l'apôtre Pierre qui guérissait les malades, il était juste Pierrot. C'était Pierre le roseau. Il va comme marcher sur l'eau. Pourquoi? La foi, c'est une loi, c'est une arme que Dieu donne à tout le monde. Amen. Et vous qui nous regardez, par votre foi, vous pouvez faire des choses incroyables. Amen. Amen. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le but de Dieu, c'est que Dieu fasse plein de choses dans ta vie? Non. Ou est-ce que le but de Dieu, c'est que par ta foi, Dieu amène les promesses de Dieu, ce que Dieu veut pour toi à manifestation? Je vais rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Du coup, personne n'a répondu à ma question. C'est un ou deux. Deux. Ouais. Oui, vas-y, si tu veux. Rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est que même Jésus, devant la mort, elle s'est soumise à lui, en fait. La mort s'est soumise à la Jésus. Mort, la mort n'a pas pu le retenir. Et regardez ce qu'il va faire. Jésus va faire quelque chose. Jésus va déclarer, détruiser ce temple en trois jours. Je le reconstruirai. En gros, il est en train de déclarer. C'est ça, c'est ça. De la manière qu'il déclare, je marche dans la prospérité, je marche dans la résurrection. Amen. Vous pouvez détruire ce temple. Il y a un autre fils qui l'a dit, quand Lazare était mort, il a dit Il dort. Frères et sœurs, on aimerait vous dire, la foi considère les choses différemment. Frères et sœurs, Dieu a une pensée qui est vraiment contraire à l'autre. Et dimanche, je veux que je l'ai encore plus capté. Dieu n'est pas un homme, guys. Pas seulement dans le sens d'avoir un corps ou quoi, c'est pas ça la question. Dieu ne pense pas comme nous, en fait. Dieu n'a pas une pensée qui est semblable à nous. Souvent, on aligne notre pensée humaine à Dieu, pensant que non, mais il pense pas comme nous. Comment il pense? Comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le recueil de la pensée de Dieu. Amen. Tu veux connaître la pensée de Dieu, va lire la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit qu'il ne pense pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Tu penses, tu dis, oh mais Lazare est mort et ça fait 4 jours. Jésus dit, Lazare quoi? Lazare dort. Mais l'humain va dire, il pue. Il pue, voilà. Les gens vont dire, il pue, il est pourri, je ne sais quoi. Jésus dit, il pense vraiment différemment. Et par rapport à vos problèmes, Jésus ne pense pas la même chose. Jésus ne pense pas, tu es pauvre. Amen. Jésus pense, tu es en train de bâtir ta maison. Amen. Jésus ne pense pas, oh, tu es malade et tu es soumis à la maladie. Jésus pense simplement, tu dois commencer à parler. Amen. Tu dois localiser la maladie. Amen. Et j'aimerais alors vous lancer sur cela. J'ai appelé un petit point, localiser, viser et déclarer. Localiser le problème, viser le problème. Pas avec une arme, avec la bouche. Amen. Et
déclarer. Bah déjà quand on localise, on vise, puis au final en fait, quand on l'extermine, on l'extermine clairement. Mais déjà moi j'aimerais dire une chose, c'est que quand on extermine un problème, au final on dit juste merci parce qu'il est déjà arrivé. Il est déjà dans la foi. Et ça c'est dans Éphésiens 5:20, la Bible va nous dire rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Et en fait quand il dit pour toutes choses, c'est parce que Dieu a réglé ton problème. Amen. Tu l'as visé, t'as dit bon Seigneur merci parce que tu règles ce problème. Et ça c'est une dimension. Frère, sauf ça, il y a des dimensions dans la foi. Il y a la dimension, voilà, on prie, et quelques jours plus tard, on voit ça, tout ça. Mais il y a une dimension, je crois, que certains, bon, nous pas encore, mais on aspire à ça, que certains ont sûrement atteint. C'est la dimension. My God, frère et soeur, quand Jésus a multiplié les pains, les pains n'ont pas pris 10 jours à venir tant que le boulanger ouvre. Pierre n'a pas dû aller pêcher. Frère et soeur, vous me demandez pas comment il ça s'est jeûné. Il a dit, Père, je te rends grâce. Amen. On ouvre les yeux. Voilà. Est-ce que voilà la foi? Et pour régler ton problème, tu dois faire ceci. Tu dois localiser les problèmes. Tu le localises. Tu lui donnes tous nos problèmes. Localisation, c'est un problème dans les finances, c'est un problème dans le péché, parce que même des fois, vous savez, c'est même par la foi qu'on marche hors du péché, c'est même par la foi qu'on a une bonne vie de prière, on doit croire qu'on a une bonne vie de prière, on doit croire qu'on va marcher dans la sainteté, tout se fait par la foi. C'est vrai, et en plus le pire c'est qu'on peut pas régler quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. On peut pas, il faut le localiser. Il faut le localiser, si tu connais pas la provenance de ton problème, tu vas pas aller savoir comment le régler. Tu vas pas savoir, donc tu localises, j'ai un problème dans les finances, j'ai un problème. Monde, Jésus. Non, mais j'ai un problème dans tel domaine, j'ai localisé ce problème, ensuite je le vise. Je le vise, c'est-à-dire que je me positionne. Vous savez, viser, c'est vraiment ce focus. C'est ça, viser. Tu prends un pistolet, tu oh, ça rappelle le passage de Steven. Et tu focuses comme ça, tu focuses. Mais j'espère que personne va prendre un screenshot, va dire regardez ce qu'ils font dans cette émission, ils tirent sur les gens des balles spirituelles. Tu localises, tu vises, tu te concentres. Une fois que tu concentres, tu appuies sur la gâchette. Mais la gâchette là, c'est pas le doigt, la gâchette c'est l'Icariba. La gâchette c'est au nom de Jésus, problème financier. Au nom de Jésus, problème scolaire. Au nom de Jésus, problème familial. Au nom de Jésus, problème d'argent. Au nom puissant de Jésus. Guys, par votre foi, vous pouvez faire des choses tellement incroyables. La foi, c'est vraiment la dimension, la dimension de Dieu en fait. C'est la dimension de Dieu. Vous savez, lorsqu'on venait de se convertir, on pensait vraiment que c'est la conception qu'on avait de Dieu. On pensait que Dieu est un Dieu gâteau, un Dieu papa gâteau, et que voilà, qu'un Dieu marshmallow, que voilà, il fait tout pour nous, je ne sais quoi. C'est vrai que Dieu peut faire les choses pour nous absolument, et véritablement il fait beaucoup de choses pour nous. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on soit responsable et mature. On arrive en fait à dire non là. Grandir. Surtout que la Bible dit tel il est, tel je suis. Et tel il est, tel nous sommes. C'est un Dieu de foi. Et qui prie pour Dieu? Qui prie pour Dieu? Et qui exauce Dieu? Non, Dieu parle. Dieu parle. On doit monter le standard. Dieu parle. Si on veut arriver à un niveau où on a une vie vraiment différente, une vie vraiment divine, il faut monter le niveau au standard divin. Le standard divin, frères et sœurs, c'est tout simplement des fois agir comme Dieu. Est-ce que Jésus a dit « Oh Dieu, s'il te plaît, la tempête doit s'arrêter. Oh Dieu, s'il te plaît. Alors, quand je vais marcher sur l'eau, alors en fait, alors voilà. Alors, non, il est allé. Il a mis sa foi en action. Dieu nous appelle à cela. Il y a une vie supérieure à celle que vous vivez, une vie où ton problème finit maintenant. Maintenant, ce problème de l'aide des personnes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les internautes qui nous regardent, qui ont un problème, ou peut-être vous n'avez pas de problème, mais envoyez-le à quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage qui rencontre un problème scolaire ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Nirina? Bah, déjà, la Bible dit qu'on marchera par la foi et pas par la vue. On ne marchera pas par les circonstances, on ne va pas marcher par ce qu'on voit. Ok, pause, excusez-moi, vraiment je parle beaucoup à cette émission, mais je parle moins aux dernières émissions. Je m'autorise à parler comme ça. Ok, elle dit, on marchera par la foi et non par la vue. Ok, marcher par la vue, c'est regarder à mon problème et rentrer. C'est ça, oh là là. Marcher par la foi maintenant, c'est quoi? T'as dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Ok, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc marcher par la vue, c'est marcher en voyant le problème. Et marcher par la foi, c'est marcher en imaginant la solution, en imaginant la réalisation du problème, c'est ça. Donc en fait, Nirina, tu encourages quelqu'un à ne pas regarder à
Moi, j'ai un problème financier à imaginer, à être fou, rêver quelque chose. C'est ça, en fait. Et à pas regarder à... Excuse-moi. Vas-y. À pas regarder à ce que tu vois, pas regarder, je sais pas, par exemple, à Parcoursup, tu vois que t'as pas de réponse ou que t'es en attente. Ne regarde pas à ça, en fait. Regarde à l'école que tu veux. Regarde à l'école que tu veux. Et qu'est-ce que tu fais quand tu regardes à l'école que tu veux, William? Bah, quand tu regardes à l'école que tu veux, ensuite, tu as l'école que tu veux. Tu as l'école que tu veux, mais avant ça, tu déclares. Tu déclares. My God, frères et sœurs, on a tellement de témoignages avec Steven sur la déclaration. Non, je vous dis, on a tellement de témoignages, mais même tout le monde. On a tellement de témoignages sur la déclaration. Oh, combien est-ce que ça change des choses? Non, c'est terrible. Non, c'est frère, c'est pas possible, c'est trop incroyable. C'est ça. Et en plus, Dieu nous fait une promesse. Et à un moment, Jésus fait une promesse et il dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Et du coup, là, elle a parlé du fait qu'on ne marche pas par la vue, mais parce qu'on croit, en fait. Ouais, et ensuite, on verra. Frères et sœurs, on aimerait vous encourager, vous tous qui nous regardez maintenant, ou même le public, les chroniqueurs, je ne sais pas, tout le monde. Si vous rencontrez une situation quelconque, sachez cela. La solution de Dieu vous a déjà été communiquée. La solution de Dieu est dans votre bouche. La solution de Dieu, c'est la déclaration de la parole de Dieu. C'est ça. Frère et soeur, des fois, on veut que Dieu apporte la solution alors que Dieu donne l'arme pour avoir la solution. C'est ça le truc. En fait, je comprends un truc là quand tu parles, c'est que Dieu nous... En fait, il nous donne les armes pour que nous on se batte. C'est ça. Si Dieu se bat à notre place, on n'est pas un guerrier. On l'appelle l'éternel des armées. Parce qu'il a une armée. Nous, on est dans l'armée. Mais si on est dans l'armée, on se bat. Frère et soeur, Jésus n'est jamais venu prendre la pierre de David pour tirer sur Goliath. Non. Il allait prendre les pierres, il a lui-même pris sa pierre et il l'a lancée. Et de la manière que David était petit, mais a pris une pierre sur le grand Goliath, nous autres là, on prend la parole, on la met dans notre bouche. Problème fini. Problème financier, fini. Problème de maladie, fini. On doit, de la manière qu'il a lancé une pierre, on doit lancer la parole de Dieu vers nos problèmes. Qu'est-ce que, Irina, alors tu dirais? Bah, tu l'as déjà dit, excuse-moi. Qu'est-ce que, Steven, tu dirais alors, devant la caméra peut-être, à quelqu'un qui nous regarde, et on va prier? Je dirais que, vraiment, de confesser le contraire de ce que tu vois. De confesser le contraire de ce que tu vois. Le contraire. Parce que, en fait, ta déclaration va amener ta possession. Ta déclaration va amener ta possession. Et là, maintenant, on va déclarer quelque chose. On va déclarer la fin des problèmes. Alors, on va vous demander quelque chose, oui. Si j'aimerais aussi conseiller quelqu'un. D'acheter, bon, s'ils ont des problèmes de déclaration, d'acheter le livre de l'apôtre. Oui, exactement, il y a un livre, vous tapez Apôtre Alain Patrick Senghet sur Amazon et vous allez trouver un livret de confession de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que des fois on ne sait pas trop comment prier, qu'est-ce que je dois dire exactement. Vous allez sur Amazon et il y a un livret de confession, vous allez voir, vous tapez Apôtre Alain Patrick Senghet, vous cliquez, livret de confession qui s'appelle La foi pour votre percée. C'est la confession pour une foi plus grande et tout. Franchement, vous pouvez le procurer, ça coûte 10 euros. Et non, moi ça a changé beaucoup de choses. Mais maintenant, on va confesser avec vous, on va passer pour un let's pray et on va confesser avec vous la fin des problèmes. Parce que c'est le titre de l'émission. La fin des problèmes. C'est parti pour un let's pray. Fresh. De retour pour un let's pray. On va très rapidement prier pour vous. Alors, très rapidement, écoutez bien. Localisez maintenant votre problème. Dis-le à voix derrière ton écran. Dis ton problème. C'est un problème financier. Tu dis problème de finances, problème scolaire, maladie. Tu donnes le titre. Et maintenant, tu vas lever les mains comme ça, tenir tes mains. Et on va tous déclarer ensemble. Tu vas répéter après moi. Et dans ces quelques phrases, tu vas mettre toute la foi que tu as en toi, toute la foi disponible. Tu vas dire: au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant. Maintenant, avec ma foi, la fin totale, la conclusion définitive de ce problème, au nom de Jésus, je déclare et je confesse une nouvelle saison dans ma vie, sans ce problème, c'est fini, c'est la fin, au nom de Jésus, Amen. On a déclaré que quelques mots, mais des mots remplis de foi. Et on croit véritablement que c'est la fin de votre problème. Continuez à confesser chez vous, vous faites ça. Vous levez les mains, vous priez au nom de Jésus, vous agressez le problème. Et vous allez voir, on croit véritablement que ce problème est éradiqué de votre vie. Et votre foi passe à un autre niveau. C'était Rémi de la Iglesia pour Fresh. Il y a l'Instagram de Fresh qui s'affiche. Allez vous abonner, partager, liker. C'était Erin, c'était William, c'était Nirina, Steven le public. Guys, on vous dit bye. Thank you.